soirée très attendue et appréciée des invités avait lieu jeudi soir dernier au complexe hôtelier Entourage sur le lac avec la remise des prix destinés aux bénévoles de l'année de Lac-Beauport. L'éco-animatrice Isabelle Côté, directrice du service des loisirs, et Isabelle Provencher, coordonnatrice aux activités de loisirs, ont su mettre à jour nos connaissances sur nos organismes en nous présentant un petit quiz. Ainsi, nous avons appris que ce sont plus de 20 000 heures en bénévolat que réalisent nos organismes à chaque année à Lac-Beauport. Le prestigieux prix Distinction, remis à une personne qui a su, par son implication extraordinaire et par différents projets, faire rayonner la municipalité de Lac-Beauport, a été décerné à M. Jean-Yves Montminy de la corporation Cité-Joie. Apprenez-en davantage sur cet événement en visitant le www.lac-beauport.québec. La Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval planche actuellement sur plusieurs projets qui s'inscrivent dans leur mandat de mettre en œuvre des activités de recherche et de diffusion, de sensibilisation et d'éducation, de protection et de mise en valeur. Ils travaillent présentement sur un projet de balado-diffusion qui sera décliné en 4 épisodes. L'histoire générale, le patrimoine architectural et paysager, la Montmorency, l'exploitation forestière et la chasse compteront parmi les thèmes abordés dans ces balados. Ils sont particulièrement heureux d'y adjoindre le talent remarquable de l'actrice, animatrice de radio et chanteuse de jazz, Mme Dorothée Berryman, qui a accepté, à leur plus grand plaisir, de narrer cette série de balados. Rappelons que Mme Berryman a des racines familiales à Sainte-Brigitte-de-Laval. Découvrez ce projet historique à la page 10 du journal Le Lavallois. Bien que nos chiens soient des véritables membres de la famille, les citoyens ont des responsabilités face à la garde et le contrôle de leurs animaux dans les lieux publics et privés. Dans un endroit public, lorsque nous promenons notre chien sur le trottoir, dans la rue ou dans un parc municipal ou encore un sentier de randonnée, le chien doit être tenu ou retenu en laisse d'une longueur maximale de 2 mètres par une personne capable de le maîtriser et doit toujours être sous sa surveillance constante. Dans un endroit privé, lorsque le chien est sur votre propriété à l'extérieur, il doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif, que ce soit une attache, une laisse ou une clôture, l'empêchant de sortir des limites du terrain où il est gardé. Selon le règlement 22-906, les propriétaires d'un chien âgé de plus de 6 mois doivent l'enregistrer et se procurer une licence. Cet enregistrement s'effectue en ligne auprès de la Société protectrice des animaux de Québec, mandatée par la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Un chien doit porter en tout temps la médaille que la municipalité aura remise à son maître lors de l'enregistrement. Lisez la page 9 du petit rapporteur pour avoir plus d'informations sur le sujet. Dans l'objectif de favoriser le vivre ensemble par l'animation de lieux publics, la Ville de Québec accorde 2 subventions totalisant 45 000 $ à 2 organismes de Charlebourg et Sainte-Foy. Ces 2 organismes organiseront des soirées animées l'été prochain sur les terrains du Centre des loisirs Gracia-Boivin et au Parc Raymond de Rosa dans le cadre de projets pilotes. Le premier de ces 2 projets pilotes sera tenu par l'organisme Loisirs du Jardin. Il offrira une programmation d'activités tous les mercredis en soirée, du 7 juin au 13 septembre, sur les terrains du Centre de loisirs Gracia-Boivin, dans le secteur Hors-Saint-Ville. Cette programmation, dont l'ensemble des détails n'est pas encore connu, s'adressera à une clientèle de tout âge et proposera des soirées thématiques, indique un document administratif du comité exécutif de la Ville de Québec, autorisant le versement d'une subvention de 21 000 $ à l'organisme afin d'assurer l'organisation des différents événements qui en feront partie. Lisez l'article complet sur le site web de Métro-Québec. La nouvelle directrice générale d'Agiro est maintenant connue. Bienvenue à Geneviève Morneau, directrice adjointe d'Agiro au cours des 2 dernières années. Geneviève Morneau a assuré l'intérim lors des dernières semaines. Elle a ainsi une bonne connaissance des responsabilités et des défis environnementaux de l'organisme. Sa rigueur, son expérience d'entrepreneur, ses compétences en matière de gestion stratégique et de ressources humaines ne sont que quelques caractéristiques et aptitudes qui ont su plaire au comité de sélection. Elle s'est ainsi démarquée parmi une trentaine de candidatures reçues et les nombreuses étapes de qualification. Le conseil d'administration d'Agiro
est pleinement confiante que Geneviève amènera son équipe à poursuivre la mission d'Agiro avec le plus grand professionnalisme pour un environnement en constante amélioration dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et bien au-delà. Découvrez la nouvelle directrice d'Agiro à la page 6 de l'Écho du Lac. Des vacances tout inclus dans la Jacques-Cartier? Pourquoi pas? Située en bordure du lac Saint-Joseph, la station touristique du Chêne déborde d'activités pour tous les goûts. En fait, c'est la destination plein air parfaite pour toute la famille. Les parcours aériens d'Arbraska du Chêne ou une sortie en kayak, en canot, en planche à pagaies ou encore en pédalo auront assurément la cote. Entourage sur le lac est l'endroit idéal autant pour les amoureux ayant envie d'un séjour douillet que pour les familles avec de jeunes enfants. Chaque vacancier y trouvera son compte, notamment avec l'accès direct à la plage du lac, les chambres spacieuses, la cuisine gastronomique ou encore le grand nombre d'activités de plein air à proximité. L'Hôtel Valcartier, c'est dormir à quelques pas du bord à parc et du parc extérieur aquatique du village vacances Valcartier. Beau temps, mauvais temps, les fous rires et les beaux souvenirs sont garantis. Vivez le charme du manoir du lac de l'Age, alors que vous pourrez faire de nombreuses activités directement sur le site, sans même avoir à prendre la voiture. D'autant plus que dans la cour arrière de l'hôtel, vous pourrez découvrir le réputé centre de vélo de montagne Empire 47. Pour encore plus d'idées d'escapades et d'activités dans le plus grand terrain de jeu de Québec, visitez le www.jacques-cartier.com. C'est le printemps et l'envie d'explorer de nouveaux territoires est grande. Dans le bois, éloigné des grands centres, on doit toujours garder en tête quelques consignes de sécurité. Parce qu'en nature, ma sécurité, c'est ma responsabilité. Premièrement, je dis où je vais pour que l'on puisse me trouver en tout temps. Deuxièmement, je sais où je suis pour que je puisse m'orienter et diriger les secours vers moi. Troisièmement, je garde le contact. Je suis accompagnée ou j'ai avec moi l'équipement nécessaire pour communiquer sans cellulaire en l'absence d'un réseau. Quatrièmement, je compte d'abord sur moi. J'emporte une trousse de premiers soins car je sais que les secours mettront du temps pour arriver. Pour plus de conseils de sécurité, visitez le mrcjacques-cartier.com, section Sécurité en milieu isolé. Thank you.
La fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage et permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. Des formules pour tous les goûts. 5 à 7, pique-nique, soirée karaoké, volley-ball ou tout autre sport d'équipe, concours de cuisine, jeux de société, inscrivez votre fête. La Ville de Sainte-Brigitte peut vous soutenir à sa manière dans la tenue de votre événement. La date limite d'inscription est le vendredi 26 mai. Consultez tous les détails de l'édition 2023 de la Fête des voisins en visitant la page Facebook de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous aimeriez embellir votre terrain en y plantant un arbre? La Ville de Shannon invite ses résidents à venir chercher gratuitement de jeunes plants d'arbres d'essences diverses dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts. Ils vous attendent le dimanche 28 mai entre 8h et 13h au Centre communautaire de Shannon situé au 75 chemin de Gosford. Les plants seront distribués équitablement parmi les citoyens jusqu'à épuisement des quantités disponibles. Venez prêter main-forte pour ouvrir la saison à la forêt nourricière. Apportez pelle et brouette si vous en avez, gants de travail et bonne humeur. Ils apporteront breuvage et collation. Corvée de compost et paillis prévus à l'horaire en plus de déshabiller les végétaux. Vive le printemps! Venez en grand nombre, en famille et entre amis. Parce qu'ensemble, on fait plus!